C'était avec ma maman, c'était notre rituel. Tous les mercredis, on se faisait un film d'horreur. Et depuis, bah, ça ne m'a jamais quitté. Et puis quand t'es ado, t'adores te faire peur, quoi. Hello Melty, c'est Camille Razat et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. J'ai la dalle. Moi, j'ai les dents qui rayent le parquet. Non, quand je dis ça, c'est que j'ai envie d'y arriver et j'ai tout le temps faim. Je crois que c'est Emily in Paris, hein, malgré tout. C'est vrai que le fait d'être sur Netflix, Netflix a le don de faire ça. C'est-à-dire prendre des gens qui sont vraiment inconnus et le fait qu'on soit dans les maisons de tout le monde, dans le monde entier en même temps, forcément, ça crée une espèce d'effusion autour de ces acteurs-là. On peut voir Stranger Things, on peut voir Riverdale. Toutes les séries qu'ils font, ça fait décoller les acteurs et pour ça, je les en remercie. J'ai commencé par le mannequinat, effectivement, depuis mes 2 ans. Donc j'étais ce qu'on appelle un baby mannequin. C'est une copine de ma mère qui lui a dit, tu sais Camille, essaye au moins si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, on lui fait pas faire, on la force pas évidemment, mais peut-être ça peut lui plaire et puis à 18 ans elle aura déjà un peu de sous de côté, ça peut être intéressant. Quand t'es enfant c'est hyper amusant parce que en gros tu joues et on te prend en photo quoi, c'est pas du tout pénible. J'ai été repérée sur Facebook toujours, où j'ai une espèce de casquette et je fais une pose un peu tug comme ça. Et je commence le mannequinat à Paris chez Ford Model à l'époque, qui s'appelle Premium aujourd'hui. Donc je suis toujours dans la même agence depuis ce petit bout de temps. Et j'ai commencé à 15 ans à Paris, de mannequinat. La comédie, c'est venu un peu par hasard. Je viens de Toulouse, donc quand j'ai déménagé à Paris, je suis allée passer un concours pour une école de journalisme en double licence en photo. J'ai été prise dans cette école et puis j'avais 18 ans, je me suis dit j'ai envie de faire un truc, pas une année sabbatique, mais un truc qui m'amuse avant de prendre des études un petit peu longues. Et donc je vois tout simplement une publicité sur Facebook pour les cours Florent. Je me suis inscrite, j'ai fait le stage et puis après j'ai fait l'école et puis après j'ai commencé à tourner et donc c'est devenu mon métier. J'ai fait mon premier jour sur Emily in Paris il y a 4 jours. C'est cool de retrouver la team en fait parce que c'est vrai qu'on a vécu quand même 2 années en tournage qui étaient un peu difficiles dû au Covid. C'est vrai que Netflix sont très très stricts là-dessus et ils ont raison parce que sinon on arrêterait de tourner tous les 3 jours tellement on est nombreux sur le plateau. On doit être déjà 500, t'imagines, plus les autres gens qui sont autour. Ça nous avait un peu cassé l'ambiance forcément en saison 2 et personne n'y est pour rien. C'est les circonstances qui font que on sent que la bonne humeur est revenue, c'est plus léger. Donc non, c'est chouette. Mastema, c'est une première fois pour Didier, son premier long au cinéma. Et une première fois pour moi, premier rôle. J'ai vraiment de la chance de tomber sur un partenaire comme Olivia Barthélémy, Féodor Atkin, Dylan Robert, de tomber sur Didier, qui malgré le fait que ce soit son premier projet, avait une vision très précise de ce qu'il voulait, et en même temps, qui n'était pas monomaniaque et qui me laissait m'exprimer aussi en tant que comédienne. Je faisais 3 prises ou 2 prises comme il voulait, ensuite il me laissait faire ce que je veux, et les derniers ont trouvé un mi-chemin. Ce qui fait qu'il avait vraiment du choix dans les prises et que ça a si bien fonctionné entre nous. C'était avec ma maman, c'était notre rituel. Tous les mercredis, on se faisait un film d'horreur. Et depuis, bah, ça ne m'a jamais quitté. Et puis quand t'es ado, t'adores te faire peur, quoi. Et ce que j'aime avec les films d'horreur, c'est que les gens ont toujours une vision des personnes qui regardent les films d'horreur un peu tronquées, c'est-à-dire ils imaginent qu'ils sont dark. En réalité, je trouve que quand tu mates un film d'horreur avec des gens, t'as peur et ensuite tu rigoles. C'est toujours le réflexe nerveux qui est intéressant et qui contrebalance le fait d'avoir peur. Donc en fait, c'est très joyeux. Et encore une fois, tourner aussi en tant qu'actrice un film comme ça de genre d'horreur, bah en fait, le plateau est très gai. Parce qu'on est tellement concentré quand on tourne qu'après, il faut bien lâcher la pression. Et donc, ça amène des fous rires et des situations absurdes. Et c'est très drôle. J'ai envie de lancer ma boîte de prod parce que j'aimerais décider aussi un peu pour moi, aussi aider de jeunes réalisatrices et réalisateurs à aboutir à leur projet. Par exemple, Didier, je sais qu'il écrit un nouveau film qu'on aimerait faire ensemble. J'aimerais le coproduire. Le fait d'être productrice, même quand tu es actrice au sein du film, ne te place pas de la même façon. Tu es beaucoup plus décisionnaire de ce qui se passe, même pour ton personnage. Tu peux avoir la main un peu plus sur le côté créatif, le processus créatif avant le tournage. Donc, ouais, ça m'intéresse. Il faut toujours croire à ce qu'on fait. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, ça ne marchera jamais. C'est même pas un conseil, mais c'est plus une façon de voir les choses, je crois. Quand moi, j'ai commencé le mannequinat, je ne suis pas très grande, j'ai jamais été très maigre, mais j'y croyais fort quand même. Et il suffit de juste trouver une personne qui y croit, peut-être pas aussi fort que toi, mais un petit peu. Et ça te permet de te booster et cette personne, elle peut en fait changer ta vie.